La collaboration entre la Direction de la protection civile et le Haut Commissariat des droits de l'homme a commencé tout de suite après le séisme du 12 janvier. Après la catastrophe, on a eu besoin pas mal d'aide et le Haut Commissariat s'était mis disponible pour aider la Direction de la protection civile à faire face à cette catastrophe. Quand on parle de protection, c'est global, c'est général. Parce qu'au moment d'une catastrophe, tout le monde est vulnérable. Mais il y a différents types de vulnérabilité. Dans cette vulnérabilité, on a toujours tendance à oublier les personnes qui ont des besoins spécifiques, telles que les personnes handicapées, les personnes vivant avec des maladies chroniques telles que le VIH. Les enfants sont délaissés en cette période. Est-ce pourquoi que la protection est là? L'intégration des notions de protection sont là juste pour assurer que ces personnes-là sont prises en compte. L'apport du Haut Commissariat aux droits de l'homme est important au système national de gestion des risques et des désastres parce qu'il nous permet de bien assumer notre tâche, de respecter et de faire respecter les droits de l'homme qui ont tendance à s'effriter au moment de la catastrophe.